sort aujourd'hui du Forum Ivoiro-Marocain, plus de 20 conventions de partenariat signées entre Rabat et Abidjan. Dans cette édition également, on parlera de cette formation initiée par la ville de Paris. Elle porte sur l'aménagement des espaces urbains. Plus de 40 morts dans l'attaque d'une école au Nigeria, un attentat revendiqué par le groupe islamiste Boko Haram. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Plus de 20 conventions de partenariat signées au total à la faveur du Forum économique ivoiro-marocain. Les accords de partenariat entre Rabat et Abidjan portent sur des investissements, notamment dans les domaines de la santé et des ressources halieutiques. Le souverain chérifien Mohamed VI, on le rappelle, est en Côte d'Ivoire pour un séjour de 4 jours. Michel Digri. Une salve d'ovation pour Sa Majesté Mohamed VI pour avoir permis à une centaine d'investisseurs marocains de nouer des relations d'affaires avec 450 entreprises ivoiriennes. À l'issue du Forum économique ivoiro-marocain, les dirigeants des deux pays sont satisfaits de ce partenariat sud-sud. Pour eux, la Côte d'Ivoire et le Maroc doivent désormais marcher main dans la main sur les sentiers de l'émergence. Nos deux pays, le Maroc et la Côte d'Ivoire, ont des positionnements stratégiques complémentaires. Des vocations sous-régionales, voire continentales, qui pourront se développer mutuellement. Le Maroc et la Côte d'Ivoire sont en émergence. Ensemble, nous renforcerons le co-développement au service de toute l'Afrique de l'Ouest, ce qui nous permettra d'atteindre l'émergence espérée de manière plus puissante et plus rapide. Dans un monde globalisé, au présent forum économique du secteur privé, des pas de géant ont été accomplis dans tous les domaines économiques et sociaux. Avec l'enthousiasme qui nous anime de dynamiser l'axe Rabat-Yamoussoukro, nous sommes convaincus d'arriver à travers des conclusions qui augurent des perspectives encourageantes à la consolidation du socle de notre grand partenariat gagnant-gagnant. Le Forum économique ivoiro-marocain devrait booster les échanges commerciaux entre les deux pays. Le volume global des échanges étant passé de 39 milliards de francs CFA en 2010 à 47 milliards de francs CFA en 2012. L'aménagement urbain, une préoccupation pour les collectivités locales. Et la difficulté reste bien sûr ces zones vulnérables, telles le carrefour de l'Indénier ici à Abidjan. Justement, une formation est initiée à Abidjan par la ville de Paris. Elle porte sur les méthodes d'aménagement des espaces urbains. Ivoiriens et Béninois tous ensemble bénéficient du projet Paris-Cotonou-Abidjan. Herman Niamien. Les collectivités territoriales sont confrontées à d'énormes problèmes liés à l'insalubrité et aux inondations. Un projet d'aménagement des zones inondables et insalubres des villes de Cotonou et d'Abidjan est donc élaboré et mis sur pied depuis 2011. Il est financé par l'Union européenne et la ville de Paris. C'est le projet Paris-Cotonou-Abidjan. La troisième et dernière session de formation de ce projet se tient à Abidjan depuis le 24 février. Elle réunit 15 techniciens béninois et 15 techniciens ivoiriens. Renforcer nos capacités dans le domaine de l'aménagement du territoire. Comment est-ce qu'un responsable d'un service technique d'une commune, en face de lui qui a une zone inondable insalubre, quelles sont les techniques, les outils qu'il va falloir utiliser pour pouvoir assainir cette zone-là? Au niveau du district d'Abidjan, deux sites pilotes choisis de façon stratégique seront aménagés. Nous avons deux sites qui ont été sélectionnés. Le site Face Fraternité Matin. Et il y a un deuxième site encore, c'est celui-là du Zoo. C'est un projet pilote qui va permettre au district d'Abidjan d'avoir une cellule d'amélioration et d'aménagement de ces quartiers-là. Donc ce sont des sites déjà qui ont été aménagés sur le plan assainissement. Et ces espaces qui sont là, nous venons les aménager pour ne pas que des squatters aillent construire des taudis, des habitats précaires là-bas. Le site qui est en face de Fraternité Matin que vous voyez, les enfants jouent le football, le sport, un peu de tout. Et cette zone-là aussi a été aménagée parce qu'il y a un bassin de grillères, de sablés qui est à côté. Donc nos sites que nous choisissons, c'est des sites qui sont déjà sécurisés. Le projet Paris-Cotonou-Abidjan est un programme de coopération de 3 ans. Il est financé à 75% par l'Union européenne et à 18% par la ville de Paris.
Quand les femmes échangent sur les technologies de l'information et de la communication, la plateforme peut aisément s'appeler entre elles et les TIC. C'est le nom de cet atelier au cours duquel il était question d'encourager et de former une centaine de femmes à l'utilisation de l'outil informatique. Booster le business, la carrière et agrémenter la vie des femmes en société. Tel est le leitmotiv de la plateforme Entre Elles. Les initiatrices de Entre Elles ont entretenu les femmes exerçant différentes activités socio-professionnelles sur l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. L'objectif de cet atelier, là, c'est comment on peut utiliser aujourd'hui les nouvelles technologies pour améliorer son business, pour aujourd'hui mieux aménager son image sur Internet, ce qui peut nous servir pour avoir mieux des rendements professionnels. Pour fidéliser sa clientèle sur Internet, ce qui est très important, c'est le sens de l'accueil. Quand on met en valeur des internautes qui nous suivent, on fait d'eux de véritables ambassadeurs et ils arrivent à partager sans aucun effort l'esprit et l'éthique de notre marque personnelle ou alors celle de notre entreprise. Les membres ont démontré qu'Internet peut être un véritable outil de marketing et de promotion de compétences si on s'y intéresse professionnellement. Pour les participantes, cet atelier est l'occasion de constituer un réseau pour tisser des contacts et des partenariats. C'est très important aujourd'hui pour les femmes d'explorer l'éthique et donc pour pouvoir faire une activité qui va porter demain ou bien qui sera vue par des milliers de personnes, on est bien obligé de faire ce genre d'atelier là pour sortir de notre léthargie. La troisième édition de la plateforme Entre Elles aura lieu en mai prochain et s'articulera autour du thème ambition et engagement social. Défense des droits des consommateurs, un autre mouvement voit le jour. Le Bureau des consommateurs conscients de Côte d'Ivoire a été investi au cours d'une assemblée générale. Le président de la structure parle d'une nouvelle approche dans la gestion des intérêts des consommateurs. Patricia Omouetia. Les Ivoiriens ont besoin d'organisations de consommateurs fortes et efficaces. Fort de cela, le Mouvement national des consommateurs conscients de Côte d'Ivoire renouvelle son bureau. Le président de cette structure est élu par acclamation. Dans l'avenir, nous allons faire ce qu'il faut. Pour l'heure, ce qui est sûr, nous allons nous battre. Et nous allons lutter contre la cherté de la vie, contre tous les problèmes. Je n'ai pas beaucoup à vous dire, mais je crois si près d'actuel, dans peu de temps, vous verrez sur le terrain. Pour le président national de l'Association pour la protection des consommateurs actifs de Côte d'Ivoire, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le développement du mouvement national des consommateurs conscients de Côte d'Ivoire. Quand on dit consommateur, j'ai l'impression que certains ne se reconnaissent pas dedans. À partir du moment où vous vous levez matin, vous allez acheter un habit, vous allez acheter de la nourriture, services de télécommunications, les maisons et autres là, dans les services publics, vous êtes consommateur. Il faut donc une vision nouvelle pour permettre à chaque consommateur d'accéder à des biens et services sûrs et à moindre coût. Le projet pour la mise en place d'une fédération des consommateurs est prévu pour le 14 mars prochain. Retour sur les planches pour le groupe Kiyimbok. Et quand l'artiste Were Were Lee King reprend du service, cela donne ceci. Regardez. Une voix envahit la salle de spectacle de l'Institut français d'Abidjan. Un hymne à la femme, exécuté par Were Were Lee King et sa complice de tous les jours, Nzerel Ndjok. Les reines mères signent ainsi leur retour sur la scène des concerts. On a fait beaucoup de formations, on a fait aussi quelques spectacles un peu théâtraux. Mais sur la scène de concert, on y est absente depuis longtemps. Donc là, on se remet doucement. Voix de ventre de femme, un concert qui sert de prétexte aux deux artistes pour sensibiliser la jeunesse aux problèmes sociopolitiques qui minent le pays. Les femmes en souffrent, ces deux mamans ont donc décidé de parler à leurs enfants. Et pour faire passer le message, quoi de mieux que le rap, ce langage musical qu'ils affectionnent. Le spectacle ne dure qu'une heure mais semble fort apprécié. Le fait de mélanger le rap avec des instruments et du son a
consonance africaine. C'est assez original et du coup les émotions passent bien en fait. Voix de ventre de femme, juste un aperçu de la Kyiv qui, vu l'âge, expérience, l'expérience sera renouvelée lors du Massa 2014. Et puis les nouvelles de l'étranger, d'abord cette attaque sanglante au Nigeria. L'attentat perpétré contre une école a été revendiqué par le groupe islamiste Boko Haram. L'attaque a fait plus de 40 morts selon la police locale. Dans le nord-est du Nigeria, 43 élèves ont été tués par des miliciens de la secte islamiste Boko Haram. Le carnage a eu lieu mardi vers 2h du matin dans le dortoir d'un pensionnat. L'armée semble impuissante à protéger la population. Le chef de l'État a défendu l'action des militaires. Goodluck Jonathan affirme travailler avec le Cameroun voisin pour combattre ces islamistes. Et puis le président ougandais Yoweri Museveni durcit la législation vis-à-vis des homosexuels. La loi anti-gay a été promulguée hier, elle entre en vigueur de ce fait. Les relations homosexuelles étaient avant cette loi passibles de prison à vie. Pour les fidèles de l'église du ministre du Christ, c'est un grand jour. Et les mots se bousculent pour remercier le président Museveni qui vient de signer la nouvelle loi anti-homosexuelle. Il a sauvé la jeune génération du péché qui a causé la perte de Sodome et Gomorre. Que Dieu bénisse notre président et sa loi. Cette loi, le président Museveni a pourtant hésité avant de la signer. Et c'est finalement devant les caméras qu'il a franchi le pas et passé outre les menaces de sanctions de ses partenaires occidentaux, États-Unis en tête. Ce texte durcit une législation déjà très répressive dans un pays où les homosexuels sont passibles de la prison à vie. En le signant, Yoweri Museveni donne des gages aux députés qui l'ont adopté à une très large majorité, quitte à en rajouter contre les homosexuels. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas chez vous. Je n'arrive pas à comprendre qu'on puisse ne pas être attiré par ces superbes femmes. Des cris de joie sur les marchés à l'annonce de la loi. La chasse aux homosexuels est un thème très populaire en Ouganda, attisé par les nombreuses églises évangéliques. Des années qu'elle mène campagne contre les gays, avec pour chef de file cet homme, le pasteur Semap, jamais à court de diatribe. Les recherches montrent que les homosexuels ont 10 fois plus de chances d'avoir le sida que les hommes normaux. Ceux qui défendent l'homosexualité propagent quoi ? Le HIV ! À Kampala, la nouvelle fait bien sûr la une de la presse. Les journaux qui soulignent que l'Ouganda est le 11e pays africain à promulguer des lois anti-gays. En bref, l'Égypte a son premier ministre avant sa désignation comme chef de l'exécutif. Ibrahim Malabal était ministre de l'Habitat, une nomination qui intervient après la démission en bloc lundi du précédent gouvernement. Et on évoque cette opération de charme du nouveau président du Conseil italien. Matteo Renzi était devant le Parlement hier. Le nouveau Premier ministre italien Matteo Renzi a obtenu lundi la confiance du Sénat par 169 voix pour et 139 contre. L'ex-maire de Florence a appelé l'Italie à un changement radical et immédiat. Il s'est également livré à un véritable plaidoyer en faveur de l'Union européenne que l'Italie présidera à compter du 1er juillet. Avec ses 16 ministres, dont beaucoup sont néophytes, Matteo Renzi aura pour lourde tâche de tenter de redresser son pays, le plus endetté de la zone euro après la Grèce. En Ukraine, la transition pas totalement établie. La formation du gouvernement initialement annoncée pour ce mardi a finalement été repoussée à jeudi. En Ukraine, le Parlement repousse à jeudi la nomination d'un gouvernement de transition pour diriger le pays jusqu'à l'élection présidentielle anticipée du 25 mai. Les parlementaires ont également voté mardi en faveur du renvoi du président en fuite, Viktor Yanukovych, devant la Cour pénale internationale pour crimes graves après la mort de plus de 100 manifestants la semaine dernière. Pendant ce temps, les diplomates occidentaux tentent de négocier une sortie de crise avec la Russie et d'empêcher la débâcle économique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.